Tout à fait autre chose à présent. Sachez que du 13 au 20 novembre, la communauté internationale du Tchad avec va organiser la toute première édition de la semaine de partenariat. C'est une initiative du réseau de jeunes pour le développement et le leadership au Tchad. Écho à suivre dans nos prochaines éditions. L'actualité ce dimanche est également cette signature d'un mémorandum d'entente pour la mise en œuvre des projets de développement rural entre le secrétaire d'État et l'économie à la planification du développement et le représentant de l'ONG turque Tarikom. À travers ce mémorandum, cette ONG turque s'engage à investir dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage au Tchad. Abdoul Keoul Amat Ngarasta, reportage. Ce mémorandum d'entente pour la mise en œuvre du développement rural marque les pas décisifs dans la coopération entre le Tchad et la Turquie. Ceci dans le but de la mise en œuvre du plan de développement national PND 2017-2021. La signature de ce mémorandum est le signe que notre pays dispose d'un important potentiel de ressources, comme en témoigne l'expertise qui a permis d'aboutir à ce partenariat. En somme, il s'agit de traduire dans les faits les bonnes intentions du gouvernement qui, dans le cadre de la diversification de notre économie, entend privilégier le secteur porteur du développement rural. Pour le ministre de la Production agricole, ce mémorandum a tout son sens. Dans le cadre de la formation, dans le cadre des projets à monter dans le développement rural, à savoir dans l'agriculture végétale, dans l'élevage, dans la pêche, nous allons devoir aller avec eux ensemble, nous allons devoir monter des projets ensemble, nous allons devoir chercher des financements ensemble et je pense que c'est dans une logique de partenariat gagnant-gagnant que nous partons. Le président de l'ONG Tarengom, Hangam Juxel, a loué les efforts du gouvernement tchadien suite à l'organisation de la table ronde de Paris pour le financement du programme national de développement.